Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour à tous et à toutes. Comme je l'avais annoncé dans l'introduction, je suis avec quelqu'un, vraiment c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui fait trembler la terre. Du côté, voilà, de la terre des femmes, la Guinée, parce que la Guinée ça signifie femme, hein, la terre des femmes. Et ce monsieur, c'est pas n'importe qui. Le DRE a tout fait pour l'attraper parce qu'il est venu à Abidjan, tout le monde groupe sur lui. Même les stades d'Abidjan veulent prendre photo à lui. Il fallait que le dernier passe un petit fafa pour qu'on sache ce qui se passe. Voilà, mesdames et messieurs, je ne suis pas avec n'importe qui, comme je le disais. Je suis avec le grand P, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour le grand P. Ouais. Comment ça va? Bonjour. Abidjan te plaît? Ça fait. Dieu merci. Alors, il est avec son manager ici à côté de moi, qui est monsieur... Alpha. Monsieur Alpha. Alpha. Enchanté, merci d'être en Côte d'Ivoire. Je devais venir à Conakry, mais vous avez toujours venir ici avant moi. C'est normal. Il n'y a pas de souci. C'est la famille, on est ensemble. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes de retour après cette très belle plage musicale. On est toujours à l'émission Fafa. Vous êtes avec le Danré sur Ivoire TV Musique, canal 209 du Bouquet, canal Sat Africa. Voilà, vous pouvez nous joindre sur notre page Facebook, page officielle Fafa, officielle pour nous apporter des suggestions, nous poser quelques questions, nous donner des idées. C'est la famille, on est ensemble. Alors, Grand P, ouais. Pourquoi on t'appelle Grand P? Grand P, ça signifie quoi? C'est lui, mon grand P. Ah, d'accord. Mais toi-même, c'est quoi ton... Tu t'appelles comment? Moussa Kaba, du Grand P. Ouais. Moussa Kaba. Moussa Kaba, dit Grand P. Moussa Kaba, dit Grand P. Ouais. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Donc, tu préfères garder Grand P, là, ouais. Comme ça? Parce que... Moi, j'étais un ministre. Le temps, il s'est privé. D'accord. Un grand ministre. Ah bon? Ouais. C'était un grand ministre en Guinée, là-bas? Ouais, ouais. Il a suivi partout, hein. Ouais. Mais à propos, moi on m'a dit que tu viens d'une grande famille. Pourquoi ta famille, tu aimes faire la musique? Pourquoi ta famille t'a pas aidé à évoluer dans ce que tu avais envie de faire? Pourquoi? Non, je connais la musique. C'est la musique que je connais. Mmh. Parce que c'est moi, je suis habité de ça. Toute ta famille est contente que je vais chanter moi. D'accord. Mais pourquoi ta famille t'a pas mis en studio, produit tes, financer tes albums et tout ça? Pourquoi? Ta carrière de musique, pourquoi? Les artistes que je te connaissais avant, c'était Kefala. D'accord. Mais moi je parle de ta famille. Parce que ta famille, il y a l'argent là-bas. La famille n'était pas dans le domaine. Mmh. Donc okay, ils l'ont confié à un artiste, paix à son âme, Kefala Kanté, qui est décédé tout récemment. D'accord. Donc c'est lui qui l'a suivi jusqu'à ce que. D'accord. Il devienne... D'accord. Mais Grand P, actuellement là, tu gagnes trop d'argent. Moi j'ai vu une vidéo. Ah. Ou en boîte, tu as eu beaucoup d'argent, tu as eu combien de millions, tout ça. Hein? C'est vrai, mais j'ai vu, moi j'ai vu la vidéo, tu dis c'est pas vrai. Moi j'ai vu la vidéo. La vidéo? Oui, j'ai vu, ils ont jeté beaucoup d'argent. Tu sais les gens, moi. Ah bon? Vidéo, la vidéo, ils ont filmé le téléphone, sa main. Eh mais ça c'est les jetons, ou bien? C'est un jeton. Voilà, c'est les jetons. Est-ce que vous voulez l'argent de Grand-P? Il a commencé. Hein? Grand-P, déjà, tout cet argent-là, j'espère que tu gardes bien, mais ça va où? Non, déjà, on a un projet de fondation pour lui. Et le jour de son dédicace, on va présenter le projet, un ONG pour son nom, quoi. D'accord. De l'humanitaire pour des personnes handicapées. D'accord, ah, les personnes qui sont un peu dans sa condition, voilà. Tout ça. D'accord, d'accord. Donc tout cet argent-là, Grand-P ne va pas manger, vous aimez dans la fondation. Mais c'est normal. Hein, Grand-P, hein, tu dois manger un peu cet argent. Je veux construire une maison. Voilà. D'accord. Voilà. Tout ça là c'est dans le projet. Mais faut dire à Nabi Keita, il va te donner une maison. Mais laisse ça, Grand-P. Nabi Keita, il va te donner une maison. Déjà, il dit que Grand-P, c'est son artiste préféré. Donc, il est là, il va nous soutenir. Hein. Alors, Grand-P, ouais. J'ai une question pour toi, une question qui va remonter un peu dans le passé. Ouais. Voilà, c'est pas comme si je veux remuer le couteau dans la plaie. Ouais. Mais voilà, le Grand-P, voilà, quand tu penses à. Avant, avant il y a 10 ans, il y a 15 ans de cela, voilà. Bon. Parce que mon premier boss, moi, c'était Samuel Eddy. C'était Samuel Eddy. Donc, j'ai commencé mon carrière là-bas. J'étais avec le grand patron là-bas. D'accord. Parce que également. D'accord. Je n'ai pas donné l'état à personne. J'étais avec le grand patron là-bas. Parce que également. C'est ça. Je suis venu à Conakry, je commence par carrière.
Ouais, mais ta carrière au début c'était vraiment difficile. Musique. Oui, la musique c'était difficile. Chaque fois j'ai fait la répétition avec mes coulisses. Mm-hmm. Bon, c'est ça qui arrive. Après j'ai pris les coulisses. Mm-hmm. Après je suis parti au studio. Mm-hmm. Avec mes petits frères. Mm-hmm. On est tous ensemble. Mm-hmm. Ok, j'ai amené la raquette. J'ai dit à ma mère, elle a qu'à écouter quoi. Mm-hmm. Raquette. Mm-hmm. Oui, il a écouté, il a dansé. Ah bon? Oui. Il a dansé. Alors, quand il a dansé, il s'est levé. C'est tout souvent. D'accord. La musique que tu fais, c'est quoi? C'est la musique mandingue, c'est ça, non? Ça, c'est africain. Ah, d'accord. D'accord. Ok, mais grand pays, tu es allé chercher quoi? Tu es allé chercher quoi en Égypte? Qui t'a envoyé là-bas? Qui t'a appelé en Égypte? C'est grâce à. Ah, tu joues pas ballon, on dit Coupe d'Afrique, tu t'es en Égypte. T'as fait quoi là-bas? C'est grâce à Badi Arigou. D'accord. Badi Aribo, c'est le vice-gouverneur de la Banque Centrale. Banque Centrale. Mmh, d'accord. C'est lui qui t'a envoyé en Égypte. Ouais. Il t'a envoyé là-bas pourquoi? Bon. Comme tu as vu petit match là, d'aller on te mène en avion, on t'envoie en Égypte. Non, parce que si moi. Bon, il a prévu le match là, c'est en Égypte qu'il a fait. Ah, c'est en Égypte là-bas qu'il a fait. Ouais. Mais, ah, ça veut dire que déjà même ils l'ont déjà envoyé en Égypte déjà. Voilà. Justement, ah, justement. D'accord. C'est la chance. Mais il sait que ça là, les joueurs t'ont donné beaucoup d'argent. Non, c'est pas vrai ça. Les joueurs, ils m'ont pourri. T'ont promis. Ouais. Qui tu peux dire le nom ici, ils vont faire sortir l'argent. Nabi Keita. Oui, Nabi Keita. Il va demander que je lui ai. Oui. Je lui ai dit, d'accord, je vais gagner une voiture. Une voiture. Je vais donner à ma mère. Voilà. Et il va financer. Après, il va dire qu'il va financer. Et... son album. Ouais. Ton album. Ouais. Attends d'abord, pause d'abord. Ouais. Le grand-père dit dans Fafa que Nabi Keita lui a promis une voiture qu'il va offrir à sa mère et il va financer son album. Ah. Alors, monsieur Nabi Keita, vous avez promis une promesse, c'est une dette, vous devez tenir la promesse. Nabi Keita, voilà. C'est l'international guinéen. Non, je vais expliquer, je connais. Il a gagné la Ligue des Champions il n'y a même pas 4-5 mois. Donc, il a beaucoup d'argent, l'argent est là. Hein? Il était blessé. Donc, il n'a pas pu bien jouer la Coupe d'Afrique. C'est un excellent footballeur. Ouais, ouais, ouais. Donc, Nabi Keita. Une voiture pour le grand P financer sa carrière, son album, ça peut rien faire dans ton argent. Voilà, donc il y a qui encore? Il y a Traoré aussi. C'est quel Traoré? Traoré, le capitaine de l'équipe. Ah. Voilà, il a promis quoi lui? Bon, lui aussi a promis. Hein. Ah ok, il a promis. Oui. Traoré a promis, il y a qui encore? Mais c'est Nabi Keita qui a promis. D'accord, Nabi Keita. Ah. Je l'ai vu, j'ai vu une photo. Ouais. Faut pas que le maillot là, il va te blaguer avec le maillot. Hein. Non, je sais pas. Ah, ouais. Parce que le maillot là, nous tous on peut payer. Hein. Voilà. Alors, Nabi Keita, moi j'ai déjà ton maillot, hein, donc tu peux pas blaguer quelqu'un ici. Faut venir faire le travail. Grand pays, comment tu te sens aujourd'hui? Quand tu vois que avant, tu passais dans les rues, personne, tu n'étais pas encore star. Mais maintenant, tout le monde te voit, tout le monde veut faire photo et tout ça. Oui. Dis-moi, je suis là pour ça. Tu sais, dans la vie, oui. Il faut être correct. D'accord. Être reconnaissant. Reconnaissant. C'est ça. D'accord. Avant, quand je passe sur la rue, si ma mère me construit, que je vais acheter quelque chose, marcher dans le bail. Quand je passe, les gens, c'est pour moi. Il y a quelqu'un qui me shoote. Ah bon? Mais tu vois, un petit là-bas. Mm-hmm. Un petit. Mm-hmm. Son père aussi, c'est un artiste. D'accord. Enfin, mais le petit, moi, lui, il est grand-père. Lui, il est entré au studio. Lui, il a fait un studio. Mm-hmm. Une chanson. Il dit, ah, petit, à moi. J'ai dit, ah, ça va me faire plaisir. Pas lui, alors, moi, ici. Mm-hmm. Bon, alors. D'accord. D'accord, j'ai pris les polices là-bas. J'ai chanté ma musique. Mm-hmm. Voilà. J'ai chanté. Ça c'était en quelle année? C'était en 97. D'accord. Est-ce que ça a marché? Est-ce que la chanson que tu as sortie là, est-ce que non, ça a marché? Non, j'ai pas fait la dédicace à moi. Ah, donc, d'accord. Donc là, ils m'ont invité un concert là. Mm-hmm. Je dis non, je ne peux pas partir un concert. Mm-hmm. Parce que je ne pourrais pas. Ouais. Ah, voilà. Oui. Il y a mon grand-père là-bas. Mm-hmm. Lui va aller avec ma mère. J'ai dit, hey, grand-père, faut partir le concert juste. Je dis non, c'est que je connais. Ce que je ne connais pas, venez, on va parler à la maison. Voilà. Ah, donc le grand-père, il est sage. Il dit, le conseil, on ne m'a pas invité, je ne vais pas là-bas. Ah, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça les artistes. Un artiste, il est comme ça, il se fait respecter. Les artistes que je connais, mm-hmm.
parce que je connais beaucoup les artistes. D'accord. Et mon enfant fait une aigle. Oui, bien sûr. Aucun artiste ne peut faire aucun, il veut dire en fait qu'aucun artiste ne l'a aidé. Voilà, c'est comme ça, ils sont tous mauvais. C'est moi qui prends mon décision. Mm-hmm. Je dis que je vais dans un studio. Oui. Ah, je ne sais pas bien là. Oui. Moi aussi, je vais avancer. Oui, c'est le moment qui est arrivé. C'est le moment qui est arrivé. Inch'Allah. Ouais. Il y a juste qui dit que je ne veux pas de voiture. Que. Regarde, c'est un artiste dans la voiture au palais, mm-hmm. Il va s'oublier. Regarde oui. Tout ça là. Oui, oui. Hein? Oui. D'accord. Je vois si. Je dis. Alors, je vais dire que je suis légal. Mais un jour, maintenant, moi aussi, sur le noir. C'est arrivé. C'est arrivé. Voilà. Alors, grand-père, la dame avec qui tu as fait le palabre et tout ça, est-ce qu'après tu allais la voir? Tu sais, quand moi je vois au passage, il y a beaucoup de personnes qui bossent dans ma vie. Voilà. Et ma vie, comme ça, et toi, tu vas à l'école. C'est comme ça. J'ai dit, la vie. Elle t'a pris pour un enfant en fait. Ah. J'ai dit, moi je suis pas un enfant. Voilà. Mm-hmm. Et c'est comme ça que votre palabre a commencé. Oui, a commencé. D'accord. C'est ça que j'ai chanté Irradie la mer. Mm-hmm. Mais le monsieur est venu te calmer, il t'a donné l'argent. Tu as pris l'argent, il faut laisser le palabre. Tu as continué. Pourquoi? Ouais. Tu prends l'argent, tu prends le palabre. Quand tes amis prennent l'argent, ils laissent le palabre. Toi, tu prends l'argent, tu continues à faire le palabre. Il a dit, ils ont dit à la vie qu'elle va laisser. Il n'a pas attendu. La dame a insisté, donc il fallait que lui aussi réagisse sur la dame. Il a pris l'argent, il a arrêté, mais elle a continué. Elle a donc, j'ai sorti une nouvelle chose aussi. Mm-hmm. Je vais préparer une nouvelle chose aussi, quoi. Oui. Parce que je vais faire mon dédicace. D'accord. Voilà. Beaucoup de gens sont pas partis. Même si je n'ai pas fait bien de moi, mm-hmm. Je vais partir. Oui, c'est pas bien grave. Voilà. Parce que je veux voir Salif Keita. Salif Keita. Tu veux voir Salif Keita. Ouais. Alors l'appel est lancé dans l'émission Fafa. Peuple de Bamako, si vous me suivez. Voilà, dédicace aussi au roi 12-12. Lui au moins, c'est ce qu'on s'est dit. Voilà. Alors, le grand-père dit que lui, il invite officiellement le papa Salif Keita à sa dédicace. Voilà. Il veut le voir à sa dédicace. C'est-à-dire que lui, son rêve... C'est le roi Salif qui est à sa dédicace. Ouais. Donc papa, l'appel est lancé. Papa, c'est comme ça. Mais bon, si tu vas aussi, il faut faire le transport du denrée. Le denrée aussi va venir à la dédicace de grand-père. C'est important. Voilà. Alors, merci beaucoup, grand-père. Merci beaucoup. Et je salue aussi Bambino aussi. Bambino? C'est d'accord. Bambino aussi. Ah, c'est quoi Bambino? Ah oui, c'est vrai. Lui aussi, on le salue, oui. Parce que lui, il est reconnaissant. Il est reconnaissant. Salut à vous, monsieur. C'est quoi Bambino, le big boss. Voilà. Alors, grand P, bon aujourd'hui, moi j'ai appris que le grand P, tu as pronostiqué, c'est-à-dire que tu as pronostiqué sur l'équipe nationale, le Sili national. Tu as dit qu'ils allaient gagner un match et puis ils ont gagné le match. Tu es un sorcier ou bien comment tu as fait? Moi j'ai dit. Parce que les gens disent que tu es un sorcier. Non. Voilà, on ne sait pas où tu dors la nuit et peut-être tu vois les matchs. Moi j'ai dit, je crois que j'ai dit. Ils n'ont qu'à donner le troisième match, quoi. Mm-hmm. Ils n'ont qu'à donner. D'accord, c'est pas ma faute. Mm-hmm. C'est la faute à moi du Gabi. Ah bon? Ouais. C'est ça. Mais il a fait quoi? Avec un téléphone. Mm-hmm. Quelqu'un va te conseiller. Il faut faire ça. Tu ne peux pas faire tout ça. Voilà. Mm-hmm. D'accord. D'accord. Donc, mais comment tu es venu? Comment est-ce que tu as réfléchi et puis tu as dit le résultat du match avant que le match n'arrive? Ouais, comment c'est venu? Parce que c'est expérience. D'accord. Et si c'est expérience, si je ne t'avais pas trouvé, t'as plus pour toi. D'accord. Mais comment tu as fait et puis tu n'as pas trouvé l'autre match là? Parce que tu as dit 3-0, mais tu n'as pas dit le nom de quelqu'un. Bon, en fait, est-ce que je peux intervenir? Mm-hmm, oui, vas-y. Mm-hmm. Le quatrième match, moi, il y a 3 jours avant le match, on était dans la chambre. Il s'est réveillé. Il est venu vers moi. Il m'a demandé, la Guinée joue quand? J'ai dit la Guinée du jour le dimanche. Il dit ok, j'ai dit c'est pourquoi. Il dit mais est-ce qu'on va réellement gagner? J'ai dit mais pourquoi tu dis ça? Il dit non, moi je sens pas la victoire. De toutes les façons, il y aura 3 buts. J'ai dit tu sais ce que tu vas faire prochainement quand les médias n'arrêtent pas de te demander, de te poser la question. Il faut dire le dernier match de la Guinée, on remet à Dieu. Donc il a fait pareil, mais.
quand il dit qu'il, de remettre à Dieu, les gens ne sont pas à l'aise. Ils sont, ils sont vraiment inquiets, quoi. Parce qu'ils savent maintenant que grand-père, il a dit le contraire. C'est un visionnaire. Justement. Mais c'est un don à lui, parce que son grand-père était vraiment un homme dur, au temps de Sékou-Touré. D'accord. Donc, naturellement, il est un homme aussi très, 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 très. Mais vous qui tournez avec le grand pays, qui allez un peu partout avec le grand pays, voilà, quel dispositif vous mettez autour de lui pour que son, comment on peut dire ça, parce que bon, nous on est dans le showbiz, on sait que quand il y a beaucoup d'affluence autour de toi, tu peux pas maîtriser toutes les personnes qui viennent. Est-ce que toutes ces personnes qui viennent là, c'est pas forcément toutes ces personnes qui aiment le grand pays? Mais là, bon, vous qui êtes à côté, bon, c'est vrai que vous êtes là pour manger, mais est-ce que vous travaillez pour que le grand-père soit protégé de beaucoup de personnes? Ah, mais déjà, ça se voit. Grand-père de l'année 2017 ou l'année 2018 et grand-père de l'année 2019, c'est pas pareil. Déjà que je suis avec mon équipe, donc on a tellement de projets pour lui. Déjà que c'est quelqu'un qui n'est pas naturellement comme nous, tu vois, donc si on le fait pas pour lui, mais on le fera pour le bon Dieu. Ok, voilà qui est bien dit. Mesdames et messieurs, nous allons avec une plage musicale et on revient juste après. Grand-père, c'est quoi ton rapport avec les femmes? Est-ce que tu as une go, mais tu as une femme? Bon, toi, tu es un bon pratiquant, c'est sûr, tu es marié déjà. Je suis pas marié, d'abord. Mais j'ai hâte de chercher d'abord. Ah bon, j'ai hâte de chercher. Mais Abidjan ici. Moi, je vais marier une femme. Il voit rien. Gentille, c'est que chérie. Abidjan ici, il y a beaucoup de femmes gentilles et sérieuses. Non. Ah bon? Moi, je veux marier une femme guinéenne. Ah, tu veux marier une femme guinéenne? Ouais. Ah bon? Ouais. Tu veux pas marier une femme ivoirienne? Pourquoi? Bon. Ah. Parce que quand je dis ça, je veux marier une femme mariée. Parce que les filles guinéennes, ils vont facile. Ah, ils n'ont pas laissé les filles pour venir marier une femme. D'accord, donc toutes tes soeurs qui sont mariées ici, on va les envoyer en Guinée. Vous allez les marier là-bas. Nos frères là-bas, ils prennent les soeurs ivoiriennes, n'est-ce pas? C'est mieux, non? Parce que c'est là le travail. Si je veux marier une femme mariée, parce qu'elle est fâche. La femme à Tinclair là de Bamako, Mali. Ah, tu as une go à Bamako là-bas? Et elle a promis qu'elle va aller le jour de ton dédicace. Hein. Ah bon? Ouais. Donc elle sait comment? Si elle dit marie-moi, tu fais comment? On va passer et là moi. Ah, t'aimes? Ah, donc tu donnes. Et ensuite, la nièce de tonton Papis à la maison. Ah ouais? Attends, explique-moi. Explique-moi. Grand-père, donc toi, tu as trop de femmes, hein? Ça ou bien on s'aime? Comment dresse? L'artiste ivoirienne là. Celle qui a des formes là. Edoxy Yao. Edoxy Yao, justement. Mais tu m'avais dit que tu aimais Edoxy, non? Ouais. Donc, tu aimes Edoxy aussi? Il veut même voir Edoxy pour lui dire que la personne qui l'a frappé là, qui va se venger contre la personne. Ah bon? Ouais. Non, mais grand-père, mais respect, il te respecte. Ah! C'est ça. Ouais, moi, monsieur, le dernier, mais il n'est pas clair de ça. Ouais. Ah, t'as beaucoup de femmes, hein? Ouais. Donc, bon, comme toi aussi, tu aimes grand pratiquant, toi, tu peux marier 4 femmes. Ah. Hein? Donc, je sais que tu vas changer au moins 4 femmes. Ah. Faut mettre une ivoirienne dedans. Hein? Une seule femme. Ah, une seule femme. Ah, pourquoi? Ah, parce que. Ah, c'est bon. Ah, tu veux pas de problème. Tu veux pas trop bavarder. Je veux pas de problème. Vas-y. Toi, tu parles. Il grave tout. Voilà, qui a bien dit. C'est-à-dire que le monsieur, ici, ça te dit, il sait où il va. Il sait où il va. Ah, mais c'est bien, grand-père, en tout cas, c'est super. C'est super. Mais dis-moi, est-ce que tu peux nous faire un petit acapella, hein? Ouais. Faire un petit acapella d'une de tes chansons. Ouais. Ah, c'est ma vie, ça. Moi, je connais ma vie, il faut travailler dans ta vie. Si tu promesses quelqu'un, pour pas garder des promesses là. Mais il faut la faire. Si tu fais pas, tu laisses les gens te vont faire. Mais grand-père va dire la vérité. Et alors que nous voulons la paix, je vais dans ma vie. Moi, ma vie, c'est ma vie. Ah ouais. C'est grand-père. Grand-père, est-ce que tu joues un instrument, cora, piano? Est-ce que tu joues un instrument? Pas encore. Moi, j'ai vu ça chez Sidiki Gavate. Cora, ouais. Ah bon? Ah, tu as joué à la cora chez Sidiki? Gavate. Ah bon? Et puis, il a dit quoi? Non, lui, il est pas là-bas.
C'est avec son frère Balard. Ah, ouais, son frère, ah, d'accord, ouais. D'accord. Est-ce que tu envisages d'aller en Europe pour aller faire ta promo, aller tourner un peu, tout ça? Est-ce que tu as programmé ça? Non. Voilà. Vous dites vous, moi je sais. D'accord. Voilà, donc, d'accord. Trompez les fonds. Il y a un truc qui n'a pas envie de trop parler. Voilà. Ouais. Est-ce que vous avez prévu aller en Europe, aller dans. Voilà. Ouais, on devrait même aller assister Conakry sur scène à Paris, mais avec le déplacement et l'événement de Sidiki Diabaté, parce que Conakry sur scène c'est prévu entre le 9 au 11. Donc, et on est invité au concert de Sidiki Diabaté le lendemain de la fête. Et ensuite, j'ai eu à discuter avec le chargé de com de Dawala, oui. De Watibé, oui. Pour la nuit du Mali, le mois de septembre à Bercy. D'accord. Donc, il nous a demandé des copies de documents de voyage. Donc, j'ai balancé ça. Donc, jusqu'à présent, on attend la suite du programme. Quoi. D'accord, mais ne laissez pas Papi si vous voulez la vedette. Papi, c'est un ancien chanteur. Non, Papi, on ne sait pas pourquoi il chante plus. Papi, c'est... La jalousie peut naître là-bas. Hein. Un ancien chanteur. Précisément, c'est mon idole. Hein. Ah, c'est ton idole, ouais, Papi. Dans le showbiz. Ah, mais lui, il était en Côte d'Ivoire, il moussait, il a fui. On ne sait pas où il est rentré. Il nous a fui. Le championnat était trop fort pour lui. Bon, lui, son papa, c'est bientôt. On fait le papa de Papi. Voilà. Hein. Il pense qu'il ne l'a pas reconnu. Moi, je le connais depuis longtemps. Voilà. Voilà. Ouais. Alors. Monsieur le Grand P, ouais. Tous mes respects. Ouais, tout respect. Voilà. Est-ce que tu peux dire ton mot de fin pour tes fans, pour toutes les personnes qui te suivent, qui t'aiment? Bon, je salue tous les fans à Conakry. Je salue Côte d'Ivoire d'abord. Merci. Toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Et toutes les femmes en Guinée. Mm-hmm. Mais les filles de Guinée, il ne faut pas fâcher. Hein. Mm-hmm, en tout cas. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Voilà qui est bien dit. En tout cas, merci beaucoup de merci. Suivre la carrière de Grand P. Ouais, et merci. On est ensemble. Mesdames et messieurs, merci à tous. Merci. Bravo. Merci. Bravo.